Salut! Mes petits Chris! Tic-toc! 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 Ah! C'est fucking TikTok! En passant, mon compte TikTok s'est fait supprimer. J'en ai un nouveau, Kev Humoriste. Je pense que c'est quand j'ai publié les extraits du documentaire sur Guylaine Gagnon, j'ai mis les extraits un petit peu trop spicy. La four. Pis TikTok, ils supprimaient one shot. Pis ils en ont comme supprimé 4 de suite. Pis ils ont supprimé mon compte, à l'heure. J'ai perdu 116 000 abonnés. J'ai perdu le goût d'être sur TikTok. C'est de la merde, TikTok. Mais tu sais ce qui est vraiment de la merde? Les lives TikTok! Merci, mon B. Je t'aime. J'ai décidé de me sacrifier, OK, la gang? Pis d'écouter des lives TikTok de nuit pendant une semaine. Ah, mon esti! T'es mort, man! Y'a ben de la merde, mais des fois, tu tombes sur un petit bijou. C'est comme une communauté, les lives TikTok. Qui fait des lives TikTok, esti? Je comprends des lives sur Twitch, tu joues à des jeux vidéo, mais des lives sur TikTok, le monde, ils connaissent rien, souvent. On dirait qu'ils sont dans la lune, en direct. Bienvenue dans mon live, tout le monde. J'ai fait une compilation des meilleurs moments de ma semaine qui a été... Ça a été quelque chose! J'ai commencé la semaine avec une madame qui montrait ses pieds. Ouais, elle était en live et elle montrait ses beaux petits pieds. J'aurais du fun avec ces beaux pieds-là. Le moment qui était le plus magique de ce live-là, c'est 2 minutes dans le live, je commence à entendre... Motherfucking bébé dans... Maman doit travailler, Nathaniel. Elle a des roses à récupérer. Des roses. C'est combien c'est des roses, Big? C'est 50 cents. Le gars qui est en train de regarder les pieds, là, pis qui entend le bébé pleurer, là, peut dire que l'érection... Attends. Manque de professionnalisme. Pis grâce à l'algorithme fuck all de TikTok, 2-3 lives plus tard, je tombe sur une fille qui montre ses chatons. Et c'est tellement calissement cute. C'est même pendant que je fais le montage, je le trouve tellement cute. 20 minutes plus tard, je retombe sur la madame avec les pieds. Sauf que là, elle faisait un duo avec une autre madame avec des pieds. Ils sont en train de parler de leurs pieds. Vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui préfère que t'aies un pied à nu puis un pied à talon? Non, je pourrais avoir 2 talons, mais j'en ai qui aiment les orteils. Tu sais, quand tu dis pour me crosser, TikTok. Hey, pop, 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 pop. Juste te dire, je pars en mini tournée à la fin du mois de mai. Sorel-Tracy, Gatineau, Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Moi et 3 autres humoristes, on va faire 15 minutes chaque. Va voir ça, les billets sont en vente sur le whatthefuckf.com. C'est ta chance de me voir sur scène, nous. Je sors de mon écran pour te faire des petites blagues sur scène. Il y a une fille qui avait le pire style d'audio que j'ai entendu de toute ma crise de vie. Puis personne dans le live, il dit qu'elle sonne comme de la merde. Fait que tu sais, moi j'écoutais ça puis je chaignais des oreilles dans mon lit. Il y a un gars que c'était sa fête. C'est ma fête. Puis je trouvais ça assez triste qu'un jour de sa fête, il est sous en live sur TikTok. Pis il voulait faire des battles. Je fais un battle, ok, c'est beau, je fais un battle. Pis il arrêtait pas de se faire refuser. Elle m'a refusé la tabarnak. Ça paraissait que ça venait le chercher dans son orgueil de mâle alpha. Bon, elle est toi, refuse. Aïe, voyons donc. Il s'est même fait refuser par un hostie de lait. Il vient de pogner un hostie de lait, pis il vient de me refuser pour elle. Tu sais, quand un hostie de lait veut pas faire un battle contre toi, c'est triste. Je sais pas c'est quoi j'ai fait pour mériter ça, mon ami. Je suis tombé sur un funny guy. Funny guy, là, tiens. Funny, là, funny guy. Tu t'en vas chez une millénial, là. Là, attends, je vais mettre de la musique. Pis là, t'entends. T'aimes vraiment pas les milléniaux? Conversation, des fois, ça ressemble à ça. Avec une millénial, des fois. Mais qui adore les boomers, là. Quand t'arrives chez Linda... Ouais! Tabarnak! Si tu veux, je vais te préparer un bon petit plat avec des pâtes. Le gars a clairement jamais fait un Netflix and chill. Parce que peut-être que Linda va te préparer un petit repas. Puis des champignons. Mais je te garantis que Véronique va te sucer avec un doigt dans le cul pendant que t'écoutes Squid Game. Chris! Squid Game! Il y a un bout, je suis tombé sur Étienne. Étienne, c'est le gars qui m'a tatoué le verre d'eau, qui a design cette maudite-là. Là. Je suis tombé sur lui qui est en live sur fucking TikTok à 4h le matin et tout. Puis j'ai comme écrit dans le chat, qu'est-ce que tu crisses debout? Puis. Il y a une fille qui simulait de la dèche dans son bain.
Bon, ouais, t'as compris. Elle a fait un genre de mélange de shampoing puis d'aloès, puis elle faisait comme si c'était de la dèche, puis elle demandait des donations. Il y avait deux madames qui se tiraient aux cartes, puis la voyante, elle donnait tellement les réponses les plus vagues que j'ai entendues. Dans le fond, ce que tu veux, ça s'en vient, ça va être un reflet direct de ta foi en l'univers. Mais la voyeuse était satisfaite en tabarnak de ses réponses, man. Wow! Ah! Ah! Oh my fuck! Wow! Il y avait des white girls qui chantaient une chanson de rap. Je sais pas si vous êtes au courant, là, mais nous autres, les blancs, là, quand on est tout seul, on chante toutes les paroles. Pis eux autres, ils ont passé proche! Je voulais tellement tomber sur du racisme sur TikTok. Pis pendant que je te chuchote, il y avait un gars qui faisait du ASMR. Y'a-tu vraiment du monde qui s'endorme sur des lives de ASMR sur TikTok? Y'a une fille qui regardait la caméra, là, pis elle était vraiment pas diversante. Mais elle était en brassière, fait. Je viens juste de lire Gummy Bear. Non, mais Gummy Bear, ouais, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je m'insérais des gummy bears dans le cul. Arc, what the fuck? Décidément, le highlight de ma semaine, là, ça a été la séparation d'un couple en direct. Ça a commencé, je suis tombé sur un live d'une fille qui pleurait. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un soit là pour moi. Puis elle pleurait dans le noir. Que j'ai pas qu'on voit que je pleure, puis qu'on voit ma face qui pleure. Parce que je suis pas une fille qui cherche l'attention, tout simplement. Ouais. C'est pas comme si elle était en train de pleurer en direct devant 180 personnes, mais elle veut pas l'attention. Pis là, dans les commentaires, t'as son chum qui commente. T'es mon chum pis tu me fais ça, là. Non, pas de duo, Batman, pas de duo. Ok, pas de duo. T'as mieux te justifier aux gens qu'aider ta propre blonde. Non, regarde. Appelle-la, là. Là, le lendemain, le gars, il est en live. Elle assume elle-même pas ses torts. Pis la fille aussi. C'est un estime de faire ça, man. De me caler pour avoir des cadeaux, le tabarnak de coller ses rires en plus. Ils sont pas dans la même pièce, là. Ils sont dans deux maisons différentes. Chacun en live. Ils manipulent, hein. Ouais. En me donnant de l'argent, qu'ils manipulent. En me donnant de l'argent. Pis le gars, il écoute le live de la fille. Que, je peux pas comme elle parle. Il me dit qu'il m'aimait aujourd'hui, hier, on fait l'amour ensemble, esti. Pis là, j'ai vu dans son live qu'il rit de ma gueule parce qu'il y a 100 coups de cadeaux. Pis là, j'ai comme manqué un bout, mais quand je suis retombé sur la fille, elle était en train de pleurer sa vie. C'est juste ça que je veux, vous êtes pas capable de comprendre ce que je veux, juste du respect, Chris. Esti, il se fait prendre en pitié, câlisse, esti. Il se fait prendre en pitié. S'il y a ben un affaire que ce gars-là dégage pas, c'est de la pitié, là. Ouais, non. Puis la fille en Pis la fille en pleurant a dit une des phrases les plus drôles, la plus iconique que j'ai entendue de toute ma vie. Pis moi, j'ai rentré ça dans ma vie, je l'ai rentré dans ma crise de vie, dans mon vagin, le truc qu'il a. Je l'ai laissé rentrer dans mon vagin. Dans mon vagin, le truc qu'il a. Yo, j'avais les larmes aux yeux dans mon lit, j'étais en train de... J'étais comme, man, pourquoi vous pas... Éteignez votre live, puis réglez ça entre vous autres. Pourquoi vous faites ça en direct sur TikTok? Il y a quelqu'un dans le chat du gars qui lui suggère d'appeler l'ambulance parce que elle pleure, puis c'est une folle. Les filles qui pleurent, c'est des folles. Faut appeler l'ambulance, ça a de l'air. Puis le gars, il fait comme un genre de téléphone arabe. Ce qu'il demande au monde dans son chat d'aller lui dire à elle de se calmer, sinon il va appeler l'ambulance. Quelqu'un peut lui écrire dans son live de savoir. Cascade, parce que moi je vais appeler l'ambulance, je vais l'envoyer à son adresse. Puis le monde il déforme tellement tout. Il a dit mon adresse. Non, j'ai pas donné son adresse. Il a dit mon adresse? Non. Il déforme tout. Plus il y a un bout que la fille est comme, j'ai jamais parlé de suicide. Je suis pas suicidaire. Guys, est-ce que je suis suicidaire, guys? J'ai-tu dit mot suicidaire? De quoi qu'il parle? Guys, est-ce que j'ai dit ça, là? Est-ce qu'il va loin? Là, il va loin, là. Le monde dans le chat du gars, il voulait en tabarnak d'appeler l'ambulance. Il voulait tellement. Pas pour le bien-être de la fille, mais pour le divertissement.
crissement, man. J'étais derrière mon écran, là, pis j'étais comme, man, appelle pas l'ambulance, c'est l'affaire la plus conne que tu peux faire. Appelle pas l'ambulance, c'est tellement pas nécessaire. Mais en même temps, man, j'ai tellement le goût d'appeler l'ambulance, j'ai tellement le goût de voir ça. Pis je me sentais quand même fucking mal pour la fille, pour le vrai, là. Je me sentais mal pour elle, tu sais. Mais elle a fini son direct en disant ça. Ben, merci beaucoup, Gail. J'ai pas reçu de cadeau, mais j'ai reçu de l'amour un peu quand même après tout ça, là. Pis là, je me sentais putain mal. Pis là, hier, qui est comme deux semaines après le drama, je suis retombé sur les deux qui étaient en live. Le gars pis la fille, ils étaient en duo un à côté de l'autre. C'était tellement sensuel comme direct. Le gars, il s'est fait poser comme question, est-ce qu'elle embrasse bien? Pis il a dit, pour une rose, je vais y répondre. Pis là, quelqu'un, il donne une rose. Pis il dit, elle embrasse super bien. Pis là, la fille est comme, oh. Tous ils font des lives pour avoir du cash. Si vous voulez aller voir mes TikTok, c'est Kev Humoriste. Puis ils vont être en live sur TikTok à soir. Oh, là, le jour que je sors la vidéo, ils vont être en live sur TikTok. Tu viendras voir ça. Je sais pas ce que je vais faire, mais on va avoir du fun. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Va me regarder sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Va sur le whatofkev.com pour acheter des billets pour mon show. Que je suis avec d'autres humoristes.